prendre gang des yeux, fait que ce mois-là. On va voir ce que ça donne. Ils font des recherches pour les salunes. Le pire, c'est quand on sait que personne ne va vivre là. Ils dépensent des millions, puis on lui demande de quoi. Pour l'agriculture, pour faire vivre le monde, calice. Il y a vraiment d'argent. Pour aller à la Lune, là, ils font pas des enquêtes. Ils font pas d'enquête. Pour le prix du bœuf, on fait des enquêtes. Ce n'est pas une question de parti. C'est une question de patriotisme qu'il faut absolument que Jean Drochebord, que vous compreniez que vous avez un gars devant vous qui ne parle pas comme l'autre et qui ne raisonne pas comme l'autre, qui a réfléchi à vos problèmes parce qu'ils les ont vécus. Puis c'est pour ça que je vous demande que ça sera encore un effort, les plus grandes peut-être que vous n'avez jamais posé, ça sera de voter pour vous bâtir un pays. Puis un pays à vous autres, que cette richesse-là aura le droit d'appartenir aux petits-enfants qui sont là, qui vont prendre notre place, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans. Il y a à peine un quart de siècle, l'Abitibi était encore un pays sauvage. Ses grands lacs poissonneux, ses rivières profondes, ses forêts denses constituaient à l'Indien un vaste et merveilleux domaine de chasse et de pêche. Si on veut survivre dans sa langue, si on veut survivre dans sa foi et dans sa patrie, il n'y a aucune autre solution possible de se voter un pays. Sans ça, ça sera exactement comme que je dis souvent Québécois, gens de l'Abitibi surtout. Sans ça, ça sera exactement qu'est-ce qu'on devra faire aux Indiens pour développer la Baie-Jane. Il y a des gens qui risent par rapport qu'on recule les Indiens. On les emmène en cours pour défaire leurs droits. Puis on fait la politique comme pour la fait pour anéantir ces gars-là qui étaient à eux autres, à ce pays-là. Dans le fond, le pays, c'était aux Indiens. Croyez-vous ça? Oui. Dans le fond, le pays, c'était aux Indiens. Ça sera les premiers qui seront supposés de dire qu'est-ce qu'on fait avec. Toi, tu trouves pas ça? On sera les premiers à être consultés, oui. Mais puis là, qu'est-ce que tu voudrais, là? Oh, mon Dieu! Ah. Bonjour. C'est moi qui ai le candidat du PQ, correct? Ouais. Tu sais pas comment ça va, Benji? Ah, moi non plus, je sais pas. Ça marche. Ah, ça a pas l'air à voir grand. Mais il y a du monde par là. Il y a des Indiens, puis il y a du monde, des Canadiens, puis il y a toutes sortes de races. La fête. Les Indiens, ben, ils veulent les garder là-bas. Ils ont bâti cette année. Dans la Bé-Jim, là. On bâtit des maisons, oui. Peut-être pas tout à fait à la Bé-Jim, mais à Fort-Georges. Fort-Georges, oui. Ils ont bâti des petites maisons pour eux autres. Ah, pour les adoucir? Oui. Il y a des Québécois qui risent par rapport qu'ils ont des jobs à la Bé-Jim, puis là, on tasse ni plus ni moins les fondateurs de... Pas être les fondateurs, les héritiers du pays, c'est à eux autres. Oui. Là, on les recule. Ôtez-vous, les boys. C'est vrai. Ça, bon, là, on dit, là, on vient de bousculer les Indiens. Écoute-moi bien. Trois semaines par année, en juillet, des sauvages disséminés un peu partout dans la région se rassemblent à cette mission. Le drapeau devant la chapelle indique justement la présence du missionnaire. Le père Martel, Oblat Marie Immaculée. En attendant l'heure du catéchisme, on se chauffe paresseusement au soleil. Les sauvages
peuples ne sont jamais bien, bien pressés. Suivons-les jusqu'à leur temple, leur foyer de nomades. Les sauvages ont passé par là, c'est clair. Le berceau maternel, si doux à l'enfance de toutes les races d'hommes. Maman se modernise. Papa également. La nonchalance reconnue des sauvages s'accommode bien du moteur. Les enfants des bois sont bien sympathiques. Ensuite de ça, mais le gros Louis, le sauvage, le gros Louis, le chat, le vous chef. L'avez connu? Ben oui, il est comme venu, ça. Il est venu par ici, toujours à Amos. Ouais? Ouais. Ben oui, à la réserve, en arrière, à Amos, là. Ben lui, il est pas content de ça. Non. Il y a des grosses rivières là-bas. Ouais, à Beijing. Puis il y a encore un territoire qui peut faire la chasse dessus. Ouais. Puis il dit, s'ils font des dames, là, pour ils vont nailler, toutes nailler ça. Et puis le chébier ne restera pas là-dedans. Non. Puis nous autres, ils disent, rien que ça pour vivre. On n'a jamais fait d'autre chose. Hein, ils font ça, fait... travailler à terre, ils n'ont jamais travaillé ça. Là. Ah, puis ils ne travailleront pas ça non plus. Parce que c'est des enfants qui élèvent, ils les élèvent comme eux autres, ils ont vécu. Ils élèvent, ils ont des il y a d'autres qui ont des familles. Ah oui, oui, oui. En juin 1933, son éminence le cardinal Villeneuve fondait la Société de colonisation du diocèse de Québec avec siège social à l'École supérieure d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dès le 6 septembre suivant, un groupe de 12 colons recrutés à Sainte-Anne et Saint-Joseph-de-Kamouraska fut dirigé vers le canton de Roquemaure. Nous devons savoir gré aux chemins de fer nationaux de s'être entendus dans le temps avec le gouvernement de la province de Québec pour transporter à bon marché, quelquefois même gratuitement, les colons et leurs bagages. Bon, mais mesdames, messieurs, un royaume vous attend a été ceci. Rappelez-vous dans les années 35, quand que les colons, les premiers colons ont monté... ont monté dans les paroisses rurales comme la mienne qui est à Rochebeaucourt. Dans ce temps-là, on l'avait vu, la richesse dans ce temps-là. Tout le monde rêvait au royaume. Ils prenaient toutes les femmes, les hommes, les enfants, puis ils montaient ça vers le chemin de fer qui est à Baraude, qui montait à Amos, on appelait ça le Sienard dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est rien que Sienne. On a ôté l'air. Pas pourquoi. On y mettait des chars à bœufs tassés comme une gang de cochons, puis le char voisin, il mettait les guenilles qui appelaient, les râteaux, les pioches, toutes les cochonneries, puis ça, un royaume vous attend, puis on démêlera ça à Barreau, on démêlera ça à Amos, puis Monseigneur va regarder ça, puis ça a du bon sens, le râteau se tatoué, puis ça n'a pas de bon sens, ça vaut celui d'Amos, puis ça a un certain bon sens, on va l'envoyer à l'Andrienne, puis on se taponne à ça, puis à un moment donné, le colon, il disait, on me dit, mes parents m'ont donné du stock, que ça veut dire, il n'y a plus rien. Mais tout ce que là va tomber encore des mains maudits patronneux qui vous siphonnent encore aujourd'hui. Ça a toujours tombé dans cette époque-là. À part, il n'y avait qu'une affaire qu'il ne voulait pas prendre. Les enfants avaient la bonne femme. Ça, il ne voulait pas prendre. Non. Une famille heureuse. Mais on peut dire, bien honnêtement, celui qui avait la trempe de l'agriculture, dans les gens qui ont passé dans Abitibi, il y avait 50% des gens. Ah oui. Il y avait ça dans le sang, mon vieux, au coton. Puis ça, c'était la crème, là. Moi, je suis convaincu, quand mon père a monté côté, là, tu ne me croiras pas.
l'abbé Vérard et ces gars-là qui ont parti de, des places comme Saint-Hyacinthe. Ça, c'était la crème, mon petit gars, des patriotes qui restaient dans les travailleurs pour défricher. Oui. Aujourd'hui, là, le peuple instruit qu'on a, là, puis qu'ils se disent des compétences, puis des mécanisations, puis un monde merveilleux, tu sais, comme qu'ils nous crèchent tous les doigts. Ben, mon vieux, ça vaut pas le petit doigt de ces vieux-là, les connaissances qu'ils ont là. À force que c'est à quelque chose de bien. Sur le train, chacun tue le temps à sa manière. Une vingtaine d'heures de chemin de fer et nous atteignons Lassar, à une distance de 500 milles de Québec, après avoir traversé presque toute l'Abitibi. Quand ils ont colonisé l'Abitibi, hein, nous autres, on est sortis de Turceau, tout le monde qui existait au Rainville, là. Ils ont dit de l'assistance sociale, c'est les conseils municipaux qui donnent ça. Là, si vous ne montez pas colon, les conseils municipaux, ils ne vous donnent plus une scène, ils ne vous donnent plus de soupe, ils ne vous donnent plus de miettes. J'y étais, hein, je parle à connaissance de cause. Mais là, les familles pauvres de toutes ces villes-là, là, ou les villages qui existaient autour des grandes villes, il n'y avait plus le choix. L'aide municipale qu'il y avait, il n'y avait pas d'assistance sociale dans le temps. Ils ont dit, vous montez en colonie, où vous venez de perdre là, votre soupe que vous aviez trois fois par semaine. Hein? C'était pas plus que ça. Je le sais, je l'ai goûté. Mais là, il n'y avait plus le choix, les gars. Vous partez à la conquête là, de la Abitibi. Mais nos parents, là, hein, ils ont dit, il faut y aller, qu'est-ce que tu veux? Hein? T'as l'épée dans le dos, là. Tu ne manges plus sur le site. Là, on a monté comme les chevaux viennent de l'ouest là, par les frindes, là. Ça donnait quand même 400 000. Débarquer en Glier, puis d'Anglier monter un bout en wagon, puis les charrettes qui existaient, là. 35 000 pour être rendu dans notre royaume. L'homme montait ici, il savait que de la misère, il y en avait. Ça, il savait, c'est à sauvage, il fallait qu'il défriche, puis il fallait qu'il bâtisse une terre. Puis cette terre-là, ça, c'est assuré qu'il établissait, mon vieux, ses garçons, oui. Ses gens alentour, puis il cultivait. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter ça. Le gars, il l'avait ici, là, dans la tête, là, c'est à tracer. Il ne pouvait pas être plus honnête parce que la vision qu'il avait, là, c'est à ça. Qui était un terrien. C'était ça qui était un terrien. C'était pas d'ouvrir une terre en Abitibi, faire un avocat. La seule voie praticable pour se rendre à Roquemaure est la rivière Lassar, ou Whitefish, et le lac Abitibi. Après une nuit passée dans les glaces, nous atteignons Roquemaure à 6 heures du matin. La grosse marine accoste son dernier chaland. N'est-ce pas qu'elle ressemble assez à une grosse cabane bâtie sur un cageux? Comme mécanisme, c'est un vieux moteur de moulin assis qui fait tourner dans l'eau une manière de large dévidoir à l'arrière. Ça ne paye pas beaucoup d'apparence, mais c'est très puissant et très pratique surtout. Dès le lendemain, tout le monde se mettait à l'œuvre résolument. À l'avance, on avait dressé trois tentes, deux grandes, dont l'une pour servir de réfectoire et de cuisine, et l'autre de dortoir. La troisième, plus petite, servait de bureau. La cuisine est très appétissante. Les bonnes grillades. On prépare de bons matelas de sapin pour ce soir. Voici la tente du commis. Après avoir fait le choix de son lot, chacun signe sa formule. Ce sont des géants.
Mais voici la hache. Il n'avait du cœur. Le pire chez nous, mon sacrifice, quand il est arrivé à Rochebeaucourt, il avait 8 enfants, ses bras, pas de femme. Maman t'a morte. Puis il n'a ouvert une terre. Puis il a travaillé, puis venait voir la terre de mon père, a tout été faite à hache. Pas labourer avec des tracteurs, puis caler le bois 4 pieds dans la terre. Mais... à la hache. Le royaume, je te garantis qu'il est un royaume. Oui, monsieur. Il y a des gens de la rue Saint-Jacques qui les admirent, les beaux-arts, mais nous autres, on en avait trop. On s'écarta autour de la maison dedans. Hein, les parents avaient monté un mois avant, il y avait des trucs comme ça. C'est beau des arbres quand t'en as juste pour ce que t'as besoin. Mais quand tu t'écartes dedans, je sais pas si tu le sais, si ça t'est jamais arrivé, mais t'es trop flat, les arbres, quand tu en as trop. Fait que là, ils sont venus nous établir là. Nous autres, on était 17 au-dessus dans la maison. C'était des bonnes familles de jadis. C'est le curé qui voulait ça, tu sais. La procréation, c'était en mode, ça. Puis là, on est atterri là. 1 000 piastres, on retirait 22 piastres et 50 cents par mois. Calvaire, qu'on vivait à gras, 17 dans la maison. On payait à broche de clôture 8 piastres, le rouleau à vent 6 piastres aujourd'hui. On payait peut-être de semences 5 piastres et demi à la poche. On en a pour 3 piastres aujourd'hui. Ce que c'est qui était les exploiteurs. Mais c'était beau, tu sais. On montait là. Puis il disait, quand t'as plus d'enfants, plus t'es nombreux, plus tu vas retirer par mois. Puis ils n'ont jamais dit que c'était entre le 1 000 piastres, par exemple, t'avais là. Au bout d'un an, t'étais encore dans la taille de bois, il avait grossi d'un pouce, les autres. Hein? Il était plus dur à arracher que quand t'es arrivé l'année avant. Là. T'arraches ça avec quoi? T'as seulement pas d'argent pour t'acheter une hache. Tu coupes ça avec quoi? Avec des pierres, comme jadis les Indiens avaient, avec des manches. Là. T'attaques toujours un arbre devant. Puis après que t'as coupé ça, là, avec la hache que le voisin avait quand il restait au Raville, là-bas, là, il avait ramassé à l'ombre. Les jeunes gens travaillent d'abord ensemble. On commence par défricher un acre sur chaque lot. On bâtit ensuite un camp pour chacun, de sorte que tout est prêt pour recevoir la famille ou la nouvelle mariée, selon le cas. Dans l'Abitibi, ici, ça a été à peu près les hommes les plus vigilants qui restaient, comme défricheurs. C'était à peu près les hommes, là, dans le fond, qui ont quitté là, un grand pays qui était défriché, qui était beau, qui avait des villes, puis tout ça, pour venir ouvrir un autre grand pays qui était sauvage. Le premier agronome, Colomb. Monsieur Joseph Laliberté commence lui aussi au bas de l'échelle. Ou plus précisément, si vous voulez, par le pied des arbres. Propriétaire de terre, puis qui aille gagner son salaire 50 % sur sa terre, et que le ministère lui paye l'autre 50 % quand il ira vous voir, madame, il vous comptera pas de mandrer, puis il vous parlera pas de scolaire, puis il parlera pas que 2-3 minutes. Je crois qu'on est pas 2-3 minutes, mais ça, j'ai dépêché le temps. Comme bon catholique, moi, je vais te dire bien franchement, ma minoune, là, je la magane bien trop pour essayer d'en avoir 2-3. Les souches sont comme les défauts. Elles sont si tenaces que pour les arracher, il faut les couper par la racine.
se faisait des cabastrans. On dit on va se faire un cabastran pour essoucher. C'est bien mieux. Le père chez nous, il savait faire ça, un cabastran. Faites ça tout avec un gros rouleau et des grandes pôles. Hein, puis on était 17 à la maison, si tu veux savoir qu'on était capable de le rouler, le cabastran, quand on avait mangé. Hein? Mais après avoir fait le cabastran, on a dit, maudit, ça nous prendra bien un cable, une chaîne pour attacher. Pour... Ben, maudit, on n'avait pas une scène. On avait un beau cabastran, on n'était pas capable d'arracher de souffle avec. On n'est pas dangereux pour se faire des caves avec des lianes et des affaires-là. Bon, on arrachait les souches encore à la braille jusqu'à temps qu'on ait de l'argent pour s'acheter un cable. Ça se vend cher, ça. Puis on n'avait pas d'argent pour manger, ça fait que pas le pas d'acheter un cable. Là, le gouvernement a commencé à donner des octrois pour acheter des bœufs. Ça, ça travaille vite un bœuf, ça. C'est quand même mieux que nous autres. Là, on a vu des bœufs. Je vais vous dire que la misère est grande, c'est vrai. Il faut quasiment l'avoir vécu pour le savoir. Moi, quand j'ai réussi, j'ai un type de bœuf. Et puis, ça a l'air pour mal en vieux péché. Là, un veut pas sur l'arrêt, l'autre non plus, là, puis d'un coup, il y a deux dans l'arrêt, mon homme de misère avec ça. Fait que d'un coup, il en meurt un par accident. Ça fait que là, mon père, il dit, tu vas t'attirer que le bœuf. Dans le coudon, je l'avais fait nos maudits labos. Mais tel est que le bœuf, monsieur, puis moi, c'est lui qui me donne l'arrêt. Là, il dit, toi, tu vas suivre l'arrêt. Le plus intelligent que le bœuf, puis c'est moi qui avais l'arrêt. Tu vois, un coup, monsieur, on fait une coupe de tour, et le bœuf passe dans les lignes de guerre, puis il en sort 3-4, puis il te le pitch sur le ventre. Puis là, moi, je te prie que le bœuf, pour lui suivre. Et si, puis là, le bonhomme échappe de la forêt, monsieur, il a ça sauté, le bonhomme par-dessus les haies de souche, on reste pris là-dedans. Là, papa arrive en courant. Vite, pêchez-vous pas trop, paraissez-vous pas trop, papa, alors j'ai dit, on est effarouchés. On procède ensuite à la mise en pile des billots, au tassage, comme on dit là-bas. Puis le brûlage de la bâtie commence. De la terre du grand royaume, que les colons qu'on appelait dans ce temps-là, dans les années 35, 36, 37, 38, aller jusqu'en 1945, on a cru à la hache défricher les terres, on a cru au bœuf pour labourer la terre, on faisait brûler les branches le soir, on voyait l'ampleur, la chaleur du feu, la grande horizon d'une grande vie sociale, avec une abondance de grains, de troupeaux, des vastes terrains. On croyait au grand royaume. Les pères de famille partaient le soir après le souper. La mère faisait le pain au four pour donner la nourriture le lendemain. Puis le vieux rêvait avec les enfants à la lumière du feu. Et dans la nuit, les brasiers flambent comme des feux de la Saint-Jean. De loin, on dirait des feux follets qui dansent leur ronde nocturne par toute la contrée. Mon beau-père, au lac Castagnier, moi, quand il arrivait là, dans les années 36-37, oui, avec sa famille, 5-6 enfants. Ça m'intéresse, oui. Écoute bien, là, mon côté. Mais mon vieux, il était avec Florida, sa femme, c'était son petit nom, puis il disait, vieille, on fait de la terre. Puis on va avoir une vache, puis on va avoir un bœuf, puis on va avoir un cheval, puis la vache va donner un veau. Puis on va grossir ça, c'est là. Mais le pire flamand au lac Castagnier, là, aussi vrai qu'un bon Dieu m'éclaire, mon chum, ça a été le premier qui a fait patenter sa terre. Puis vous saviez que c'était un honneur, ça, hein? Oui. D'avoir la lettre patente dans ta maison, puis je m'en rappelle, il mettait ça, là, mon vieux, là. Dans la petite corniche, là, au roll-call du Sacré-Cœur, là. Ah oui, il mettait ça, là, les choses essentielles. Hein? Oui. Moi, je veux savoir qui vous a fait mourir parce que vous. Vous l'aviez du cœur au vent, vous l'aviez des talents, vous l'aviez des idées énormes, puis vous l'aviez une richesse qui était à vous autres. Vous l'avez vu, là, que cette cause-là, ça peut pas mourir de même. Il y a eu quelqu'un qui vous a empêché d'aller vers le grand idéal qui était le système coopératif, qui était de distribuer la richesse.
pour que tout le monde peut vivre dans sa maison honnêtement, sans que personne peut lui ôter sa langue, sa foi, et ainsi de suite. L'habitation du premier missionnaire. Monsieur l'abbé Napoléon Pelletier. C'est aujourd'hui dimanche. Tenez, voici Monsieur Alphonse Brassard, l'agronome organisateur du canton, qui vient de faire 5000 à pied pour venir à la messe. La chapelle n'a que 20 pieds par 20. Dans cette étroite enceinte, se sont entassées 125 personnes bien comptées. Inutile d'ajouter qu'on n'avait même pas de place pour s'agenouiller dans l'élévation. Puis oublie pas, mon père puis mon beau-père, tous ces vieux-là. Eux autres, le clocher au village, ils défrichaient les terres dans le but premier pour commencer. C'était de défricher la terre au plus vite à qui verrait le clocher là, de l'église qui avait là, 100 pieds d'eau. Le plus loin. Comprends-tu, là? Pour attendre l'Angélus dans ce temps-là. Oui. Tu sais? Oui. Comprends-tu, là? Tu sais, c'était de voir grand, tu sais. Oui. Tu vois ça aujourd'hui, un jeune, puis qui décide de défricher sa terre, puis va dire le foyer. Tu sais, le clocher, je vais le voir, tu sais. Puis, non. L'Américain, une GTO, baissé à gauche. Tu sais, comprends-tu, hein? Oui, monsieur. Puis il se rend pas compte, la vie, c'est d'autres choses que ça. Nous revenons à Roquemort après un an passé. La forêt recule toujours devant le courageux défricheur. Devant l'arrivée incessante de nouveaux colons, la maison du bon Dieu a dû se faire plus grande. On a reconstruit à neuf. Les colons sont contents de leur sort. Toutes les figures sont épanouies. On a été lâchés comme ça dans les Métibé. Ça s'est défriché, hein, quand à soeur des fronts. Puis on vivait grossement. Moi, j'ai déjà mangé, moi, 5-6 fois par semaine. Pas par jour, par semaine. Quand t'as pas assez fort pour tenir debout, t'avais qu'à te coucher. C'est pas dur, quand tu tiens pas debout, tu te couches. Hein. On fait ça 15 ans. Parce que Roquemort s'est défriché sans argent. Roquemort, vous étiez tout pauvres, les gens de Roquemort, quand vous êtes venus vers ces terres-là. Puis regardez, qu'est-ce que vous l'avez fait dans cette vie-là. Vous l'avez bâti. Puis c'est drôle, vous n'aviez pas besoin des argents. Vous n'aviez pas besoin de la mine d'Arendal. Non, vous étiez des hommes qui avaient décidé de vous mettre les pieds dans la terre avec votre femme, puis la défricher, cette terre-là. Thank you.
village de Sainte-Anne-de-Roquemort. Quel changement depuis 3 ans! Grâce aux primes nombreuses et très opportunes accordées par le gouvernement provincial en 1937, la paroisse se développe à très vive allure. Monsieur le curé est logé convenablement, n'est-ce pas? Le clergé même a joué contre ces gens-là. On jouait contre. Je peux en dire, on a logé ces gars-là dans des presbytères extraordinaires mieux que nos familles. Nos familles, on allait aux toilettes dans le pot, puis on courait ça en arrière, puis les autres avaient la vraie toilette à l'eau. Puis une d'espère encore que Monseigneur vienne confirmer, Chris, dans le printemps, pour que le chien dans sa chambre, qu'il faut moins descendre l'escalier. Allez voir des paroisses. On a fait ça à la grandeur, à force qu'on est à l'arbre. Curé Émile Couture aura sans doute prochainement son bedeau. Mais pour le moment, il faut qu'il sonne lui-même. Mais dans le fond, le curé, il faisait pas pour mal faire, parce que lui, il était postillon, il était docteur, il raille dans la gare. Il était police. Il était police, il mettait la paix, il nous donnait la religion. Il a vu ce qu'il est petit, enfin. Ben oui. C'est. Un compérage. Le curé, dans le fond, il a eu des torts. Mais il y a eu de quoi de bon là-dedans. L'abbé Gérard à Rochebeaucourt pour être un terrien, je pense qu'il n'y a pas un curé colonisateur qui s'est tant dévoué pour la terre. Il a travaillé à Rochebeaucourt. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Le garde-feu surveillable, l'abbé Gérard se promenait avec un vieux maudit Plymouth qu'il avait acheté au garage central, puis derrière lui, il collissait le feu. Parce que l'abbé Gérard disait tout le temps dans son sermon pour faire de la terre, il dit, mes colons, faut mettre le feu. Saluons donc en passant Monsieur l'évêque. Il y a 2 ans, il allait prendre femme à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et aujourd'hui, ils sont bien contents de leur sort. La section du milieu que vous voyez ici, c'était mon camp en Boiron quand j'étais garçon. Je restais avec mon vieux père là-dedans, on avait 2 appartements. Une chambre, on avait chacun notre bed qu'on appelait. Puis le poêle était en plein milieu, puis sur l'autre bord, c'était une petite coquerie. La toilette dehors. Oui, ouais, on avait la toilette dehors. T'sais. Mais on avait l'eau à la pompe dans la maison, puis quand je me suis marié, là, ben, automatiquement, là, couché dans la même chambre avec mon père, c'était pas bien, qui était... Comment je dirais ça? Fait qu'automatiquement, on a régrandi ça, cet appartement-là, en Boiron aussi, qu'on l'a annexé à celle-là. On a bâti 2 chambres. Vous parlez en tant qu'homme, en tant que père de famille, parce que dans le fond, Jean de l'Abitibi, vous m'avez bâti, les vieux. Puis vous trouverez pas ça souvent, un jeune de 40 ans, il n'a pas parti une terre exactement comme les vieux de 1935. Moi, j'ai pris une terre vierge en 1949. J'étais garçon 3 ans après que je me mariais avec une petite femme de 100 livres. Ben, sacrement, ça avait du sang dans la terre, mon vieux chaud. Extra, j'ai pas... En tout cas, j'en ai pas trouvé de femme encore. Pour avoir tant d'énergie, pis tant, mon vieux, là, de loyauté envers la terre que c'est quelque chose de la terre.
J'ai venu à bout à force de travailler, puis de travailler, de montrer aux gens qu'en Abitibi, que la terre c'était rentable, puis le royaume que les vieux ont rêvé, c'était une affaire qui pouvait se réaliser dans l'ordre, sans nuire à personne. Je suis retourné à Rockmore en 1939. Ah oui? Avez-vous trouvé bien du progrès? Oh, c'est tout simplement incroyable. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs, si je vous ai invité, ce n'est pas pour que vous fermiez les yeux. C'est incroyable, comme vous le dites. Une église qui fait figure de cathédrale. Il n'y a rien de plus intéressant que de surveiller l'arrivée des gens à l'église le dimanche matin. On y retrouve toute la paroisse en raccourci. L'apparence des gens est comme le thermomètre de l'aisance générale. On n'a pas peur des enfants par ici. Ces fruits-là ne sont pas piqués des vers non plus. Tenez, les maîtresses d'école. Elles ont l'air pimpantes. 1100 âmes vivent à l'ombre de ce clocher. 1100 âmes déjà, après 5 ans seulement? Voilà des nouveaux mariés, n'est-ce pas? Qui vous le dit? Bien, ce sont les seuls couples que je vois sans enfants. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant, il me semble que le dimanche doit leur paraître long. Erreur. Vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congé. Regardez donc la belle avoine. Les tiges sont à hauteur d'homme. Mais quand j'ai tombé ici dans mes TV, là, j'arrive ici, t'as dit zabou, pis faisait chaud. C'est à vert, là, mon homme. Tu voyais le foin, l'avoine, mon homme, en pleine clôture. De quoi est-ce que c'est? Le blé? Qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais vu du blé, moi. Je connaissais pas ça, quoi, ce que c'était que le blé. Le blé est mûr. C'est le temps de le moissonner. La chanson des blés d'or est commencée. Savez-vous que c'est la première fois que je vois couper le blé à la petite faux? Vous allez voir ici bien d'autres méthodes primitives d'un charme quasi éternel. Les ancêtres, voyez-vous, avaient le respect du blé, de quoi sont faits le pain et l'hostie. C'est dans cette pensée qu'avec le couteau, ils faisaient un signe de croix sur le pain avant de le trancher. L'appareil chaleur qui faisait là, il faisait chaud, mon homme. Là, tu voyais les animaux dans le topacage, c'était tout divisé. Comme on wish une map, là, on va dire, tiens, ça c'est mon tout package, tout bien divisé, les clôtures, les étapes, mon homme, t'as bien entretenu. Blanchies, les maisons, des cadres, des portes, on va dire, les portes, une couleur à côté, c'est une autre chose. Puis oublie tout pas, le monde, mon homme, à toutes les mille, à toutes les mille, le cultivateur, la grosse croix, crée. La croix, bien sûr, la croix. La grosse croix. À toutes les milles, voyez-vous, à toutes croix, les milles, il y avait une croix, la statue de la Sainte Vierge, les roses, crème. J'en ai fait une moi-même, une croix. Aujourd'hui, crème, les croix au cimetière sont seulement plus capables de les entretenir. Ils tombent à terre vers leur pas. Non, mais c'est vrai, je sais pas si tout est descendu de même. Ben, tout est à l'abandon. Aussi, dans le bon vieux temps, c'est à la faucille qu'on cueillait les épis lourds. Je vous dirais même qu'on traitait de gaspilleurs ceux qui se servaient de la petite faux. Scène émouvante, vraiment, que de voir cette femme cueillir précieusement les épis à la poignée, comme si elle les comptait. Marche bien. Écoute bien. Regarde, là. Regarde ça comme il faut avec nos yeux, pas les yeux du ministre, là.
Ils vont chercher les patates au Nouveau-Brunswick, puis à l'île du Prince-Édouard, puis ils les emmènent au Québec. Puis ils vont chercher le blé dans l'Ouest, puis ils les emmènent au Québec. Puis nous autres, c'est nous autres qui les ont ouverts, ces provinces-là. C'est le Québec qui les ont ouverts. Il y avait rien, là, il y a rien dans l'Ouest. Il y avait pas de c'est nous autres qui fournissaient la farine, c'est nous autres qui fournissaient la patate. Puis à se faire, au moment que ça s'en vient plus, qu'on est plus vieux, ben, je sais pas si on tourne en enfant, je m'en dis que pour moi, c'est ça. On est obligé d'aller chercher les pétanques au lit du Prince-Édouard, puis on c'est ça que je disais à mon venant. Au, le blé dans l'Ouest. Puis, gars, dans l'Ouest, ben, il y a la commission du grain. Bon, ben, là, mon vieux, ils mettent sur la terre de genoux, là, pour être handicapés, les éleveurs de cochons. On peut pas produire de cochons comme l'Ouest. C'est bien simple. Produisant en masse du grain, puis on fait à 2 piastres la poche, tu le vendras pas, parce qu'on n'a pas de commission, nous autres. C'est ça. Ça fait que les gars vont dire, ben, on n'a pas de grain. Je suis ici de la paroisse de Pionnard, puis j'en ai encore du grain de l'année passée. Ces scènes campagnardes sont reposantes, n'est-ce pas? De la graine de colon. Mais il y a été des années, c'est qu'on a récolté 700-800 poches de grain. Puis comment j'aurais voulu en vendre? C'est d'abord grave. J'en ai vendu, mais il fallait que j'attende que les messieurs viennent le chercher. Qu'ils soient prêts à le prendre. Si j'aurais eu besoin de mon argent tout de suite, ben j'aurais eu le temps de crever, je pense. C'est le même que ça aurait été. Parce que la terre ici, si tu veux t'en occuper, mon vieux, elle va te donner pour le travail que tu mets dedans. Mais il y avait eu une affaire. Le monde, il était trop pauvre dans le sens qu'il faut la fête d'agriculture demain. Il avait oublié une chose, les gars, qui administraient les colons. Que quand on fait de la terre, on ne fait pas de l'agriculture. Puis là, c'est aujourd'hui qu'on devra faire de l'agriculture. Ouais. Parce que la terre est faite. Elle est vraie. Hein? Ouais. C'est grâce au sous-ministre de la colonisation, si les cultivateurs peuvent promener cette batteuse mécanique sur leur terre aujourd'hui et ménager un peu leurs bras. Il me semble que ça aurait été bon parce que les premières années, on t'a bien encouragé, puis ça marchait, puis ça pousse, ça pousse. Mais on a eu quelques années que les pluies d'été nous en ont découragé plusieurs. Et puis après ça, mais l'aide du gouvernement, on a eu au début, mais il est temps que ça a changé, ces choses-là. Alors, ils nous ont lâché trop jeune encore, un peu trop jeune. Je vais vous donner un petit aperçu à Rochebeaucourt cette année. Nous avons décidé de... Un gérant d'entreprise, puis moi, on a décidé de s'endetter de 12 000 piastres pour acheter une moissonneuse-batteuse cette année. Écoutez bien. Les cultivateurs, ça se met 4-5 autres de grains. Puis vous savez qu'est-ce que c'est, René, une lieuse, faire javier le grain. Après ça, attendre chacun notre tour pour avoir le moulin à vente, vous savez qu'est-ce que c'est? On travaille un mois et demi de temps, puis ils se tardent à manger les trois quarts dans ce temps-là, puis les oiseaux noirs, OK? Cette année, on a acheté ça. Mais justement, je montrais justement à des gars de la région, qu'à Rochebeaucourt, cette année, la moyenne des 22 cultivateurs qu'il y a là, ils ont 300 poches de grains entreposées. C'est vrai qu'on travaille jour et nuit, mais ça ne fait rien. Ils ont 300 poches de grains entreposées. Pour faire des moulets balancés pour les animaux qui vont hiverner cet hiver. Ça ne s'est jamais vu dans la région, puis je défie qui que ce soit qui dira le contraire. Ça ne s'est jamais vu un moment d'année qu'ils sont aperçus que s'ils étaient mécanisés, les cultivateurs, si le gouvernement, quand il a tout vendu, les tracteurs qu'il y avait à la serre, qu'il y avait dans le Témiscamingue, qu'il y avait dans la région d'Amos pour défricher les terres, s'il y avait vendu ces tracteurs-là qui étaient devenus désuets comme qu'ils les ont vendus, puis il aurait pris l'argent, puis que le ministre aurait été sérieux, puis il aurait dit, on est rendu à l'heure où ce qu'on améliore la terre pour en faire pousser des céréales, pour faire de l'élevage en série. Mesdames, messieurs, s'il aurait pris cet argent-là, qu'il aurait acheté des moissonneuses-batteuses, qu'il aurait installé des séchoirs dans les régions comme la Sarre, dans les régions comme Amos, dans les régions comme Barreau, dans les régions comme le Témiscamingue, s'il aurait fait des élévateurs à grains pour les entreposer comme le colza, mesdames, messieurs, jamais,
qu'on aura besoin de faire des parrainages à Ottawa pour essayer de négocier quel prix que les cultivateurs de la province de Québec vont payer les grains, les moulets pour alimenter ce peuple-là, mesdames, messieurs, parce que la terre n'a jamais refusé en Abitibi de vous donner, ça c'est sûr, 20 pour 1 dans toutes les semences que vous avez mis dans la terre. Puis le range de mon beau-père qui voyait le clocher et qui aimait la lettre patente, mais ça a été le petit 1800$. Puis oublie pas, il l'a pas vendu, puis un beau 1804$ qu'on est comme ça. Non. La finance, voilà qu'elle repasse encore d'argent là-dessus. Moi, je comprends pas que, de quelle manière, comment c'est, ça marche aujourd'hui, que ça s'abandonne tout, ça. De la si belle terre, puis de la bonne terre. Moi, je semais 60 à 70 acres en avoine. L'orge mêlée de l'avoine, puis un morceau d'avoine tout seul pour mêler. Puis je récoltais 2500-3000 minots. Ça venait à pleine clôture. C'était juste passé avec la moissonneuse là-dedans. Ça venait extra, puis ça a toujours bien mûri tous les automnes. Le pire chez nous, quand il est mort, mon vieux, il y a 3 ans, c'est la seule chose que j'ai pu faire pour mon père quand il est mort, crime, j'ai dit au moins tu vas être enterré avec la femme que tu as aimée. Ben, c'est moi qui ai payé 319$ de l'ambulance pour l'envoyer à Saint-Hyacinthe enterrer avec ma mère. Puis moi, je suis rendu à 40 ans. Je suis en train de me poser la question que j'aurais exactement le même sort que mon père a eu. Exactement le même sort. Puis est-ce que je peux me permettre, Master, qu'il y a des enfants qui sont eux de même, qui vont à l'école, est-ce que je peux me permettre de leur donner le même sort au détriment des autres? Non. Je peux plus accepter ça. Puis j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de le faire. En tout cas, si tu vends ta terre, tu sauveras pas ta chambre de bain. Normalement, quand tu vends ta terre en Abitibi, c'est une chambre de toilette qui est propre un peu, là. Tu sais, là? Ouais. Parce qu'une chambre de toilette, tout le monde sait que ça coûte 1000$. C'est vrai. Dans le 1000. Bon, mais tu sauves à peu près tes toilettes. C'est à peu près tout. Tardé. Les camps de colons finiront tous par être remplacés par de jolies maisons. Un jour viendra où le temps des souches sera oublié à jamais. Un autre de ces miracles de survivance canadienne-française. Ça, c'est des maisons de 400$ que le gouvernement nous donnait. Puis le gars, t'as obligé de la bâtir à ses frères, pour ça. Ah oui, il donnait 400 pièces de matériel. 400 pièces de matériel. Ouais. La vieille planche, là, des restants du moulin 6 qui venait du canton d'Ost, qui est assigné par la compagnie Richard. Celle-là, là, je ne sais, je me rappelle pas qui restait là. Ça, c'était une vieille maison de 400 pièces, par exemple. Mais lui, il travaillait au moulin 6. Le gouvernement, il a donné 400 pièces. Mais les autres, ils peuvent avoir mis 3 000, 4 000 pièces. Ouais. Après ça, ces maisons-là. Je ne pourrai jamais regarder cette belle ferme sans me rappeler le visage d'un agronome barbouillé, arrachant des souches avec son bœuf. Ce que cet agronome a réalisé de ses bras depuis 1934, vous pouvez en juger, ça se passe de commentaires. Les maisons sont en Syrie. Quand le gouvernement est à rouge, le papier est à rouge. Quand il est à bleu, le papier est à bleu. C'est vrai. Ça va ça par rang de quelle manière? Qu'il y avait changement de gouvernement. Mais ils ont été bien longtemps bleus parce que les bleus ont été longtemps pour voir. 3-4 ans après, qu'est-ce qu'on voyait à Roquemaure? C'était une église moderne pour le temps. C'était un presbytère moderne. C'était des bâtisses modernes pour le temps. Je vous dis pas qu'ils seraient modernes aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'emplois qui vous ont donné du cœur au ventre, puis on n'avait pas besoin de leur maudit argent pour nous faire accraire qu'on vivait le lendemain matin. Puis pourquoi aujourd'hui que nous avons payé des milliards et des milliards de dollars pour bâtir des écoles les plus modernes, qu'on a envoyé des spécialistes en Europe pour aller chercher tout le système de documentation qu'on a besoin pour se créer des compétences, puis qu'aujourd'hui, il faudrait encore quitter la pitance pour le manger demain matin? Quand gardez ce dispinacy, ils ont autant à garde. Quand on ôte les services d'une paroisse, mon cher monsieur, c'est par rapport qu'on va fermer. Ça, c'est le presbytère puis l'église. Le presbytère, il est à vendre, mais l'église, il est à supposer de la vendre à Lebel-sur-Quévillon. Qu'il a gardé la belle école qu'ils vont fermer, là, pour le mois de septembre. Il y a ferme cette année? Oui, là, il y a ferme, c'est définitif. Celle-là n'est pas déménageable, hein? Non, la petite, au bout, est déménageable en haut en brique.
N'oubliez pas, c'est une école de 300 000 pièces que vous voyez là. Je parle pas de la vieille. La neuve, là, ouais. La neuve. Je parle de la grosse. C'est une école de 300 000 pièces. En 1940, le cardinal Villeneuve a honoré Roquemaure de sa visite. L'éclat de la réception ne fut pas sans causer une agréable surprise à son éminence, qui était parfaitement au courant des difficultés auxquelles on a fait face et qui admira sans réserve une croissance aussi rapide. Il faut penser qu'un jour, ça appartient pas à rien qu'au Christ, si mon royaume n'est pas de ce monde. Non, hein? C'est bien sûr. Ouais. Parce que si mon royaume n'est que de ce monde, là, je serais riche aujourd'hui à Cratier. J'aurais pris les moyens pour venir riche. C'est clair. C'est simple. Quand le prince de l'Église repartit, la foule, forte de ses conseils et de ses bénédictions, reprit la route du rang plus joyeuse et plus sûre de l'avenir. Dès 1882, un prêtre colonisateur, l'abbé Proulx, disait « Le Nord, voilà le champ ouvert à l'activité des Canadiens français. Eux seuls aimeront à y vivre. Le Nord sera le domaine, la force de notre nationalité. » Après bien d'autres, le fait historique de Roquemaure confirme la vérité de cette prophétie. Paroissiens de Sainte-Anne de Roquemaure, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur. Vous voyez ce que c'est que je dis? C'est que tu ne trouves plus de cultivateurs. Dans le Rancette de Palmerol, c'était populeux, ça. Puis il y avait des grosses familles, puis il y avait des garçons. Puis les garçons ont tout ça à Grésola, puis ils vivaient très bien. Ils avaient tout chacun un char, puis ils ont tout ça à Grésola, puis ils sont en allé. Tu peux pas les attacher sur la terre. C'est faux! Parce que de la relève, il y en a extrêmement de la relève. Mais qu'on donne aux cultivateurs le contrôle de fixer ses prix. Oui. Qu'ils soient payés. Oui. Non pas fixé par les compagnies comme Canada Packer, comme Burn, comme Swift, et celui qui a le gros monopole crème de l'alimentation. Oui, mais c'est dur pour... Ah, c'est dur! Une société qui se fait endormir est tout le temps dure à réveiller. Je vais vous dire. Je vais vous dire ceci. Si vous l'avez acheté, le devoir... Le devoir de samedi le 27 octobre 1973. C'est pas bien vieux, c'était hier. Mais mesdames, messieurs, il y a un petit pays... Il y a 120 000 carrés. Ça représente le canton de Rochebeaucourt, jusqu'à Grèce, avec ma famille, moi. OK? Là-dedans, il y a 100 000 personnes. Puis savez-vous que c'est qui ont? Pour venir à bout de vivre dans ce pays-là, ils n'ont rien qu'une chose qui récolte. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dans ce petit pays-là? Les autres, ils ont seulement la mouscade et les noix. Puis les femmes qui font des tartes aux raisins, hein. Tu sais, on gruge la petite patente, on a assez de mouscade. Puis on pourrait faire un petit peu, là. C'est fait par Schwartz, quelque chose de même, là. Bon. Mais ils vendent rien que ça, puis des noix. Puis ils ont demandé leurs indépendances, puis ils l'ont eu, des Nations Unies, leurs indépendances. Êtes-vous imaginé qu'un petit canton comme Rochebeaucourt, là, qu'il y a 100 000 personnes qui vivent dedans, puis ont décidé de prendre en main le royaume de ce petit pays-là, puis ils ont 100 000 personnes, puis ils ont la fierté de vous dire qu'ils viennent d'étamper leur première monnaie. Puis nous autres, au Québec, on ne sera pas capable de faire comme ça puis d'avoir la fierté de voir les gens qu'on a aimés dans notre pays. Je commencerai à avoir hâte de voir les figures de nos ancêtres. J'aimerais ça voir ça, moi, sur mon dollar, après qu'ils soient indépendants, la face de Louis Hébert, qui était le premier des fricheurs. Je suis d'accord pour le voir, moi. Hein? Parce que je pense qu'il y en a assez de cultivateurs qui travaillent puis qui l'ont arraché, qui aimeraient voir de quelle manière que ça a parti leurs racines, c'est. Mon nom, c'est Cyril, moi. Mon nom de baptême, ça. Puis la vraie, c'est mon nom de famille. Après avoir travaillé 50, 60 ans sur une terre, être capable de vivre dessus, avoir des terres faites pour vivre dessus, puis pour être capable de vivre, c'est sûr qu'il n'est plus décourageant. Croyez-vous ça? Ah oui. C'est fait.
Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils veulent nous tuer, nous autres? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, de mal? Pour nous empêcher de garder nos bières. Pour nous empêcher de garder nos écoles. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, dans la société? Pour nous faire mourir, pour nous faire déménager. Pourtant, nous autres, on a bâti. On a tellement bâti des choses extraordinaires que les Américains sont en train de nous acheter pour un plat de lentilles. En tout cas, il n'y a pas un maudit pays au monde où s'il y a de l'agriculture, dans un pays réellement moderne qui se respecte, mon cher monsieur, qu'un citoyen parle de farming terre.